Donc on enregistre. Your house, yes. Oh, okay, I was waiting for you. Donc, bienvenue à tous. Welcome, everybody. So, I asked Greg if we could do a Zoom to talk about being peaceful. Donc, j'ai demandé à Greg si on pouvait faire un Zoom à propos d'être en paix. What does mean being peaceful? And how can you stay peaceful and still whatever happens? Et donc, j'ai demandé à Greg, qu'est-ce que c'est qu'être en paix? Qu'on puisse parler de ça et comment être en paix et tranquille, serein, quoi qu'il se passe autour de nous. Because in France, some of you could see maybe this is a little bit... how to say that? Parce qu'en France, en ce moment, c'est un peu, comment dire, many, many people are really depressed, really angry, really many things, many, many emotions. En France, beaucoup, beaucoup de monde, là, en ce moment, sont déprimés, sont en colère, avec des vagues d'émotions énormes. So, I asked this to Zoom to talk about being peaceful in all this storm. Donc, j'ai demandé à Greg qu'on fasse un Zoom, voilà, pour parler de ça, de comment rester justement en paix, serein, même dans les plus grosses tempêtes. Well, it's really an interesting word, peaceful. Donc, pour moi, c'est vraiment un mot intéressant, être en paix, paisible. And when you really look at society, they use that word to control us. Et quand vous regardez la société, ils utilisent ce mot pour nous contrôler. Because to be peaceful, it means you don't fight against something. Parce que pour être paisible, vous devez ne pas avoir quelque chose. Ne pas être quelque chose, ne pas avoir quelque chose. That's what they want us to believe. Et c'est vraiment ce qu'ils veulent. But what if even in the fight, in the battle, to stop something or to prevent something or to say, fuck you, we can be peaceful about it. Mais ici, même dans une bagarre, dans des batailles, vous pouviez leur dire, vous défendre, rester debout, vous dire allez vous faire foutre, d'une manière très, voilà, très, très engagée, mais être totalement paisible et en paix avec ça. No, I mean, in France, you had so many parades where people were protesting against the king, you call him. En France, je ne sais pas exactement, mais il y a beaucoup de monde qui en ce moment proteste contre le roi. And they're peaceful. Et ils sont en paix, ils sont vraiment paisibles. But they were still saying, fuck you. Mais tous, il y a ce truc de va te faire foutre avec ton truc. And you know, I mean, this peaceful thing, it really does. I mean, I'm told that I get really angry. Can you repeat, please? When people tell me that I get really angry. Il y a des gens qui me disent, que je les mets en colère en fait. Well, once I've vented that anger, I'm peaceful again. Ah non, donc il y a des gens qui me mettent vraiment en colère, mais j'arrive à revenir à cette paix une fois que entre guillemets la colère est passée sur le moment, je reviens à cette paix tranquille, à être paisible. Once I tell you to stop lying to me, une fois que je vous ai dit, franchement, s'il te plaît, arrête de mentir, une fois que je l'ai dit, après c'est fini. Je reviens à mon espace où je suis en paix. So what is peaceful? What is peaceful to you? C'est pour vous, c'est quoi être en paix, être paisible? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Is it sitting there with no emotions? Est-ce que c'est être assis là, sans aucune émotion? Ou est-ce que c'est vous asseoir, reconnaître comment vous vous sentez, les émotions que vous ressentez, and being okay about it. Et être OK avec? So what if you could say that enough is enough? Et si vous pouviez dire, OK, assez, c'est assez. I'm tired of these lies.
J'en ai marre de ces mensonges. Express that and then be peaceful about what you've expressed. Exprimer ça, mais être vraiment en paix avec ce que vous avez dit. With what you say then. What you express. Being peaceful with what you say then. Yeah, with what you say. And this is a lie to me. Don't lie juste, to okay. me. Donc être vraiment, juste être en paix avec le fait d'exprimer ça. Ok, j'en ai assez qu'on me mente. J'en ai assez de ces mensonges. So being peaceful does not mean being flat. You see, being neutral. Être en paix, être paisible, ça ne veut pas dire être neutre. Et avoir aucune émotion, être totalement plat, en fait. See, we're taught in this reality that being peaceful means you don't fight back. On nous a appris dans cette réalité. Dans cette réalité, que être en paix, c'est bah, ne pas réagir, ne pas se défendre. Voilà, c'est vraiment. But see, that's not true either. Mais c'est pas vrai non plus, ça. You don't fight back, and suddenly enough is enough. Stop this shit. Boom. Ne pas se défendre, ne pas répondre. Stop, quand c'est assez, c'est juste ça. I mean, watch a pride of lions. What? What a group of lions. Qu'est-ce qu'un groupe de lions? There'll be one cub, one baby that'll push. Finally, the adult will go, stop it, and then be back to being peaceful. Yeah. Donc, quand vous regardez un groupe de lions, il y a les lionceaux comme ça qui viennent titiller, mordiller, qui n'arrêtent pas. Ça dure un moment, puis au bout d'un moment, les adultes lions en ont marre, mettent un grand coup au bébé lion. Et puis ils se reposent tranquilles. Et ils sont de nouveau totalement en paix. Wolves will do the same. One will step out of line and somebody will have them by the throat saying, either stay in line or die. Choose. Who? A wolf. Un loup, c'est la même chose. Il fait la même chose. Il va rester là, etc. Il va mettre un gros coup de patte où il va bousculer le louveteau. Pour lui apprendre, et puis après, il va revenir à son endroit, à son voilà, à sa place, tout tranquille, totalement paisible. But that doesn't mean that we go around looking for the fight. Mais ça ne veut pas dire qu'on a. Oui, it doesn't mean we are wrong. It doesn't mean that we are walking around looking for the fight. Ah, mais ça ne veut pas dire quand on fait ça qu'en fait on cherche la bagarre, on cherche le conflit et la bataille. And it doesn't mean that we're the doormat that people wipe their shoes on. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit être le paillasson que les gens vont choisir, sur lequel les gens vont choisir de s'essuyer les pieds. But it's like, I mean, I think a couple of you have seen me angry. But it's like, you know. Il dit, je crois qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui me voient en colère là. We still have to be willing to be and express everything. Il faut être prêt vraiment à être et à exprimer quoi que ce soit, chaque chose. And where we lose that inner peace is when we're making ourselves wrong for how we feel. Et quand on perd cette paix intérieure comme ça, c'est là où on se donne tort pour les choses que l'on ressent. So. It doesn't mean back. Hold on to the emotions. It just means we acknowledge them, express them, and let them go. Ça veut dire que il faut pas supprimer, réprimer nos émotions. Il faut les reconnaître et leur permettre d'être là et les exprimer. So it's the Zoom, the talk we did last time about emotions. Donc c'est la discussion qu'on a faite effectivement la dernière fois sur les émotions. Well, how many times do you watch the news or you read a newspaper or you hear an announcement and then you carry that all day? Combien de fois est-ce que vous regardez le journal télévisé, vous regardez un truc, vous lisez les nouvelles dans les journaux et d'un seul coup, oh, vous devenez super en colère et cette colère et cette émotion est là toute la journée? How many times are we angry with some stupid driver in the car and then we're angry all day because we're still angry at this person? Ou alors, ben vous prenez un taxi ou machin, quelqu'un qui est voilà, un conducteur
qui vous a fait un truc, vous êtes super en colère et vous gardez cette colère tout au long de la journée. Alors que l'événement est loin, ben, ça fait déjà plusieurs heures. What if you could express it, let it go? Et si vous pouviez juste l'exprimer et la laisser partir? What if, like, when you're not facing the news or the media or anything else, you can still be peaceful in what you, whatever it is you do in your work? Can you repeat, please? What if you can express your anger or your disappointment? Yeah. And then for the rest of the day, still be peaceful about everything else that you're doing. Et si vous pouviez exprimer cette colère et ces émotions au moment où elles se présentent, et puis effectivement être en paix après toute la journée. How do you do that? Hmm? How do you do that? Comment on fait ça? Comment vous faites ça? The powerful C word again. Who's? Hmm? Choose. I can't hear you clearly, sorry. It's that horrible C word. Choose. Je vais vous dire un mot. Le choix, il va falloir le choisir. You have to choose it. You have to decide that you are going to be peaceful regardless of the stuff that's going around you. Il va falloir choisir de justement choisir d'être en paix avec tout ce qui se passe autour de vous et tout ce que vous pouvez, voilà, tout ce qui va se passer autour de vous. So where I grew up, we have the expression, I am the river and the river is in me. Quand j'ai grandi, il y avait une expression qui disait je suis la rivière et la rivière n'est pas moi. Which reminds us that everything flows around us. Ce qui veut dire, c'est que la rivière, elle coule autour de moi, en fait. Mais je ne suis pas la rivière. Je suis un rocher dans la rivière. Donc la rivière coule autour de moi. Mais je ne suis pas la rivière. We don't have to let it affect us. We don't have to let it affect us. On n'a pas besoin de la laisser nous affecter. So, you know, again, it's really consciously deciding that, okay, I'm not happy with this, but donc c'est vraiment choisir consciemment que ça ne vous affecte pas pour le reste de la journée. I hate my job, but at the moment I don't have an option, so I go to work. Je déteste mon boulot, mais pour l'instant j'ai pas d'autre option, donc je choisis d'aller travailler. Will I find a better option? Choices. Peut-être que leave would be a better option. To find another job. Donc, partez ou trouver un autre boulot. Ce serait effectivement peut-être une meilleure option. No, so yes, it's really a choice to keep angry. This anger and to keep grumpy all the day. Absolutely. It's really a choice. C'est vraiment un choix de comme ça, quand il se passe quelque chose, on choisit vraiment de rester ronchon et en colère pour toute la journée. On peut choisir autre chose. We can choose something else. Yeah, we can choose to be offended. You know, somebody could be fat. On peut choisir d'être offensé. I am, so I don't care. You know? On peut être offensé parce que quelqu'un te trouve gros. Il dit, je pourrais être offensé parce que je suis gros. So, but it's this way of, we forget that we have choices in everything. On oublie qu'on a le choix dans chaque chose, pour tout et pour chaque chose. Don't get me wrong, I'm not perfect either. I can get incredibly angry. Ne me donnez pas tort, hein. Je suis pas parfait du tout. Je peux moi aussi me mettre, enfin, avoir une des colères incroyables. And it's not pretty. Et c'est pas joli à voir. But when I let it go, I let it go. You know, again, mais quand je le laisse partir, je laisse partir. C'est bon, c'est fini. C'est juste un choix. So, I guess really, how do you stay peaceful in these crazy times and even in the good times? Choose it. Choose it. Donc, vouloir être en paix et tranquille, vraiment paisible dans ces moments un peu, voilà, un peu bizarres en ce moment, il va falloir le choisir. Choisissez-le vraiment.
You can spend your life looking for the fight. Tu peux passer ta vie à chercher le combat. You can spend your life trying to create fights so that you have a fight. Tu peux passer ta vie à créer, à chercher à créer des bagarres, voilà, pour avoir et pour pouvoir te battre. Or you can spend your life smiling at people who want to have a fight. Ou tu peux passer ta vie à sourire aux gens qui veulent la bagarre. I know which is more fun. Et je sais que c'est beaucoup plus amusant. You know, and it's this. Et c'est ça. Si vous voulez vraiment être en paix, choisissez-le. Maybe can you talk about how you do to be back to this space of peace? When you choose it, okay, I choose to be back to my peaceful space. How do you do that? Donc je lui dis, peut-être que tu peux expliquer, toi, comment tu fais pour revenir à cet espace. Ok, je choisis de revenir à cet espace de paix. Comment tu fais? Well, I could lie and say I meditate. Je pourrais mentir ou dire, oh, je fais de la méditation. But I'm sorry. We all know it would be a lie. Yeah. No chance. C'est pas la peine de Mélanie dit, c'est pas la peine de le dire, on sait tous que ce serait des mensonges. So, sometimes I go for a walk. Parfois, je vais marcher. But you know, when you're walking, you can be thinking about how angry you are. Mais vous savez, quand vous marchez, vous pouvez continuer comme ça à remarquer à combien vous êtes encore en colère, combien vous êtes en colère. But it's like when I go for a walk or when I choose to do something else, I'm really trying to find the things I'm grateful for. Donc moi, quand je vais marcher comme ça ou quand je fais autre chose, ce que je fais, c'est que je cherche toutes les choses pour lesquelles je peux être reconnaissant, pour lesquelles je peux avoir de la gratitude. You know, emotions are just a moment. They're visitors. They come and they go. C'est comme quand on a des visiteurs, enfin des gens qui nous rendent visite à la maison. Ils viennent, ils repartent. Some visitors we like to hold on to. Et il y a des visiteurs, des gens qui nous rendent visite, that they want. We want to hold on to. We want to hold on to. Où on a vraiment envie qu'ils soient avec nous et qu'on les ait avec nous chez nous. And I know people who've held on to emotions long after they've forgotten why they're still angry. Il y a des gens, vous savez, qui gardent ces émotions super longtemps. Ils ne se rappellent même plus pourquoi ils étaient en colère, mais ils ont gardé cette colère en eux. Or they've held on to hurt or sadness or. Ou ils gardent la tristesse, ou ils gardent les blessures d'avoir été blessé, mais ils ne se souviennent même pas l'origine de ça, ce qui a créé ça. Why would we do that? Et pourquoi on fait ça? Because we've learned it from watching people around us. On a appris ça en regardant les gens autour de nous. We learned it from our mothers, from our fathers, from our grandparents. On a appris ça de nos mamans, de nos papas, de nos grands-parents. So part of this reality or living in this reality is actually stepping through that and letting that go. Donc une partie de cette réalité, il faut la laisser partir en fait. C'est des choses qu'on a apprises. And that only comes from making a conscious choice. Et arriver à faire des choix conscients. And a conscious choice isn't one off. Et un choix conscient n'est pas juste une fois en fait, pas une seule fois, c'est pas, it's not the big choice. C'est pas le choix, le big choice. Tu fais un choix une fois et t'en fais plus derrière. It's the big choice you make every day. C'est le gros choix que tu fais chaque jour, parfois plusieurs fois par jour. No, when I was learning to walk again, I kept falling over and getting angry. Donc quand j'ai commencé à essayer de remarcher, quand j'étais dans le fauteuil,
Je suis tombée plein de fois. C'était voilà, je me suis ramassée plein de fois et j'étais en colère. Hein. Ça me mettait en colère. The angrier I got, the worse my walking became. Et plus j'étais en colère, pire étaient finalement mes mouvements. Moins je marchais bien. Moins j'arrivais à marcher. The more frustrated I got, the worse my speech became. Plus j'étais frustrée, plus ma parole devenait mauvaise en fait. Moins j'arrivais à parler. And then I learned a really cool word. Et là, j'ai appris un mot super cool. Fuck it. And what it did, what it just meant to let go. Et qu'est-ce que ça a créé pour moi? C'est qu'en fait, quand je disais ça, fuck it, juste laissais partir en fait les émotions. Let go the anger, the frustration, the embarrassment. Je laissais partir la colère, la frustration, l'embarras aussi. You know, to go unconscious and fall into your plate of vegetables and food and gravy and be blowing bubbles out through the gravy, it's not a pretty look. Parce que vous savez, quand vous vous rendez compte que ben, quand vous parlez, il y a un peu de bave et que ça fait des bulles, c'est pas très sympa à regarder. Donc les gens jugent beaucoup, enfin, jugeaient beaucoup ça. Donc j'étais embarrassée avec ça. But I learned to let that go. Mais j'ai appris à laisser ça tomber, à laisser ça partir. And as I did that, et au moment où j'ai fait ça, it happened less and I got better. Et au moment où j'ai fait ça, choisi ça, de laisser partir ça, ça s'est arrivé de moins en moins souvent. Et du coup, c'était beaucoup plus facile. Et après, c'était voilà, la marche, la parole, tout ça était, allait mieux aussi. Because I consciously decided not to make me wrong for falling over or doing these things. Parce que j'ai consciemment, vraiment avec conscience, décidé, choisi que d'arrêter de me donner tort en fait de tout ça, de tout ce qui se passait pas forcément bien, parce que je voulais remarcher, reparler et avoir une vie comme plus normale. J'ai arrêté de me donner tort. Yeah. So what would happen if we chose consciously to just be more peaceful about how we feel? Et qu'est-ce qui se passerait si on choisissait d'être consciemment, vraiment avec conscience, d'être paisible, plus en paix avec ce qu'on ressent? But to acknowledge that we don't have to carry that anger 24 hours a day, 7 days a week. Et reconnaître qu'on n'a pas besoin de trimballer ses colères, tout ça et toutes ses émotions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. We don't have to carry that hurt or be hurt. On n'a pas besoin de trimballer comme ça les blessures, d'avoir été blessé ou de blesser les autres. See what happens then is when we come back to the presence of the people that hurt us or upset us. We're not. Et ce qui se passe quand on est comme ça, on arrive à revenir à ces espaces-là de paix, quand on se rencontre, quand on rencontre les gens qui nous ont blessés, ben finalement, ça ne nous touche plus. On est paisible. And for many, that is it creates confusion for them, the people that made us angry. Can you repeat? So for many people, when you go back to somebody who's deliberately offended you or hurt you, yeah, and you go back peaceful, yeah, that makes them angry. La plupart du temps, what happens? Yeah. La plupart du temps, quand vous allez voir des gens, quand vous voilà, qui vous ont blessé, qui vous ont offensé, enfin, et que vous êtes en paix, la plupart du temps, ça les met en colère eux, que vous n'ayez plus de réaction en fait en face d'eux. Yeah, really. Oui, vraiment. So, you know, how do you be peaceful? Comment être en paix et paisible? Really, you have to choose. Et vous avez vraiment, enfin, vous devez vraiment le choisir. I mean, and you even have to look at how you speak, your language that you use, the words that you use. Et d'être aussi vraiment présent et conscient des mots que vous utilisez, des mots que vous dites. And even in just not what we say, what we think, et pas seulement les mots qu'on dit, les mots aussi dans nos têtes qu'on ne sort pas, qu'on ne dit pas, toutes nos pensées. Il faut être vraiment présent avec ça. I know people who can speak really calmly. Je connais des gens
qui peuvent parler très calmement, vraiment très en paix. But the words they use and the expression on the face and the energy they project is incredibly unkind. Mais l'expression, enfin, voilà ce qu'ils expriment avec leur visage, avec leur corps, l'énergie qu'ils dégagent, qu'on peut percevoir d'eux, c'est pas de la gentillesse, c'est pas du calme, ça n'a rien à voir avec les mots qu'ils disent. What do you choose? Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que tu choisis? And you know, being peaceful isn't just standing around and going home. Et être en paix comme ça, paisible, c'est pas rester tranquille dans une pièce à rien faire. Because most of those people are actually lying to themselves and lying to the world. Parce que la plupart des gens comme ça, en tout cas que moi j'ai rencontré, que je connais, qui sont comme ça, qui font ça, en fait c'est juste des mensonges. C'est juste des mensonges. C'est juste because pas vrai en fait. As soon as they start to speak or as soon as they start to move, you can feel the anger within them. Parce qu'au moment où ils commencent à parler ou à bouger, etc., tu peux sentir la colère en eux. We think we hide it. We can't. On pense qu'on est en paix, mais on ne l'est pas en fait. Et il faut vraiment choisir de laisser partir. But be willing to express it when required. Et être vraiment prêt à exprimer ce qui est requis. And express it doesn't mean you have to fight or to have a battle. L'exprimer, ça veut pas dire qu'il va falloir se battre et taper quelqu'un. C'est pas ça que ça veut dire. Yeah. You can write, you can go and run. Tu peux écrire, tu peux partir et courir, sortir et courir. It's not about hurting somebody. Yeah. Just don't cook food while you're angry. Donc non, c'est pas voilà, aller taper sur quelqu'un quand vous êtes en colère. Mais l'exprimer, c'est vraiment s'autoriser. S'autoriser à être ça aussi. Just allow us to be that. Just being that. I want to kill someone. Juste s'autoriser. J'ai envie de tuer. I want to kill the king. Je veux tuer le roi. Ok. Let's have a cake now. Et c'est, voilà, c'est par exemple, oh, j'ai envie de le tuer ce roi. Ok, bon, maintenant on va aller se manger un gâteau. Je vais partager quelque chose qui va bien sûr une question. Tout l'aspect de comment dire. Tout l'aspect de se laisser sentir ce qu'on sent et pas de se raconter des histoires me paraît extrêmement important. Ouais. Moi, j'ai fait l'expérience hier, hein, et je la fais parfois, pas toujours, mais je la fais parfois aussi, c'est avant d'être dans une réaction, c'est d'aller voir, mais quelles sont les pensées qui m'amènent à réagir, hein, quelles sont les pensées, les points de vue, ce que je pense de la situation. Et quand il y a une émotion qui est là, alors oui, d'y laisser de la place. Mais il y a vraiment des choses que j'expérimente, que si je peux aller avant et me questionner par rapport à ce qui me fait réagir, de penser qu'on me ment, de penser que les vaccins, c'est de la merde, et que si je peux mettre de l'ouverture là, et sortir de l'idée que j'ai, ben là, ça crée un espace. Hein. Mmh. Et c'est pas une idée, c'est vraiment ce que je peux expérimenter. C'est en ça qu'il disait, il faut être présent vraiment avec ses pensées. Attends, je traduis. So, Greg, Sonia talked about something, so yes, about being peaceful and express how, the way we feel, yes, but she experienced these days, these weeks, last week's, that being really present with our thoughts before, you see, when something, before you get into big reaction, you can be present with your feelings, with your thoughts, and say, okay, stop. Yeah. Before it becomes really loud and really intense. Well, yes.
Alors, c'est d'en être conscient, mais ça, c'est vraiment d'aller les questionner. Mais d'aller questionner et puis de pouvoir avoir accès au fait que c'est des points de vue, que c'est des pensées, et que là, au moins, je pense que j'ai raison et que les autres ont tort, hein, ben, tout d'un coup, je peux m'ouvrir. Attends, mais est-ce qu'il y a du tort et de la raison? Est-ce que, et du coup, chez moi, ça crée vraiment un espace où, du coup, il n'y a plus de... Il y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. And so, when she does that, she takes a step back and look at her thoughts. She can look and ask questions about that, around that, and really get that, okay, this is her point of view. Other people can have other points of view. Yeah. And just this process gives her a bigger space, really. Absolutely. More peaceful and a bigger space. Yeah, and this is it. This is really, we stop and go, what is this? Why am I being triggered? Where did this come from? On s'arrête et on pose des questions. Okay, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Et on pose plein de questions. C'est vraiment, ok, stop, je m'arrête. Et je pose les questions. And this is where you have to choose. Et c'est là où vous devez choisir. Choisir d'être en paix, d'être paisible. C'est aussi choisir à ce moment-là de dire, ok, stop, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça crée? Et ainsi de suite. I mean, I will walk away before I get to bed. And I've been told I'd run away, but it's like, I'm walking away before I say things that... Moi, j'ai appris, ben voilà, ce que je fais, c'est que moi, je sors en fait, je m'en vais, avant que ça devienne trop mauvais, que je devienne trop en colère et trop mauvais, je sors et je m'en vais en fait. J'ai appris à faire ça, j'ai choisi de faire ça. And again, it's that you stop, you catch yourself, you create the space, you see what's happening, you ask, what is this? Vous faites un pas en arrière, vous stoppez, vous posez des questions, vous regardez tout ça, qu'est-ce que c'est que ça? Okay, this is a trigger for me, I need to step back from this. Okay, ça marche pas pour moi. J'ai besoin de prendre un peu de recul. Je fais un pas en arrière, je me pose, qu'est-ce que c'est? You see, none of these processes can happen until you choose. Mais ce processus-là ne peut pas se produire, ne peut pas se passer tant que vous ne le choisissez pas. You can say you want to be peaceful, but until you really choose to be peaceful, none of these other things, processes, none of these other steps will happen because you won't do them. Donc, vous pouvez dire que vous voulez être en paix, être paisible comme ça, mais tant que vous ne l'avez pas réellement choisi, il ne se passera rien. Tant que vous ne faites pas tout ça et que vous ne le choisissez pas vraiment, ça ne se passera pas. Et la preuve, en fait, c'est juste est-ce qu'on est en paix ou pas. Enfin, la preuve, ce n'est pas pour chercher des preuves, mais c'est juste comment on se sent si on continue et tant qu'on continue de se sentir... Si tu ne te mens pas à toi-même. So she says that to prove that, the proof is when you feel peaceful. Yeah, but you can lie to yourself too. So tu peux aussi te mentir à toi-même. Donc, the real peace, I don't know. For me, the real peace is a deep sense of gratitude. It's not the ha-ha-ha, not the om chanting. La paix, réellement, quand on est en paix, c'est un espace très de profonde gratitude. C'est pas le truc où tu es joyeux tout le temps à rigoler, gna gna gna. C'est vraiment cette gratitude profonde en fait. I've watched people who do gratitude, you know, and do peace and do calm. J'ai vu des gens faire la gratitude, faire la paix, faire le calme. And it's like, what is that? J'ai regardé et je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Because they're ready to fight in a moment. And? They're ready to fight in a moment. Just ready. Parce qu'ils étaient vraiment prêts à se battre, en fait, sur le moment. Tu sentais ça chez eux.
It has to come from a sense of being. Mais ça vient, la paix vient d'un sens d'être en fait. C'est vraiment être. C'est pas faire, c'est être. And just because many people, when you say it's about being, beaucoup de gens quand on dit c'est à propos d'être, they think they don't have to do anything. Ils pensent qu'ils n'ont rien à faire. It's not exactly that. C'est pas tout à fait ça. You know, I sit in the lotus position all day going om. Can you repeat? You're not sitting in the lotus position all day going om. Ah, être en paix, c'est pas, ça veut pas dire rester toute la journée dans une salle en tailleur à faire om. No. C'est pas, ça veut pas dire que vous devez faire ça. You can be building a house, you could be working a big construction, you could be massaging somebody, you could be tu peux être en train driving de a taxi in the middle of Paris. Tu peux être en train de donner un massage, tu peux être en train de conduire un taxi au milieu de Paris. And you can still have that sense of peace. Et tu peux toujours avoir ce sens de cette sensation, ce sentiment de paix. Some of the most amazingly peaceful people I've ever met were actually taxi drivers. Et les gens les plus en paix et paisibles que j'ai vus, c'était des conducteurs en fait, des taxis et des conducteurs. Two of them were in Paris, and I've had them for some reason they picked me up once or two or three times during the time I was there, and another time was in Budapest where I got the same driver three or four times, and it was like again, it was just this wow, you know. À Paris comme ça, quand je viens, j'ai eu deux trois fois le même chauffeur. C'est incroyable. Et en Hongrie aussi, pareil, j'avais deux trois fois le même chauffeur. Et c'était juste wow, incroyable en fait, de voir à quel point ils étaient super tranquilles, alors que tout autour la circulation était complètement dingue. My host actually in Budapest said this man's tired. He just feels so still. I said, no, he's just peaceful. He just doesn't give a fuck. Mon hôtesse en Hongrie m'a dit, oh là là, il est super tranquille quand même. Hein. Il doit être super fatigué. Il lui a répondu, non, il est juste en paix, en fait. Il est juste paisible, tranquille. It was sometimes the nicest travel I had when I went these drivers. C'était vraiment les voyages en voiture les plus sympas en fait que j'ai eu, c'était avec ces chauffeurs là. So yeah, how do you become peaceful? How do you be peaceful? Comment on devient en paix? Comment on est en paix? You have to let go and just choose. Vous devez laisser partir, relâcher les émotions et choisir. Let go all your points of view and it needs to be right. Laissez tomber tout, relâchez, laissez tomber tous les points de vue que vous avez et que vous devez avoir raison, qui vous donne raison. And that's the hardest one, the need to be right. Mm-hmm. The hardest one to let go is the need to be right. Le truc que vous devez laisser tomber, c'est d'avoir besoin d'avoir raison en fait, et d'être dans le juste. What's parents? She shares the sun. Yes, it's beautiful. I was just looking at it. Phenomenal sunset. Thank you, Prince. Yeah. It's a way to get really peaceful. C'est un moyen d'être super paisible et en paix. Un beau coucher de soleil. And how many times are we so busy in our minds that we forget to see the sunset or the sunrise? Combien de fois on est tellement occupé dans notre tête à réfléchir, à penser à plein de trucs qu'on ne voit même pas tous ces merveilleux trucs autour en fait, les couchers de soleil, etc. Yeah. If you want to know if you're peaceful, when was the last time you actually saw a sunrise or a sunset and really saw it and went, wow. Si vous voulez être en paix, prenez le temps vraiment d'observer et de, j'ai envie de dire, de goûter au lever du soleil ou au coucher du soleil. Regardez-le et ressentez-le vraiment
Soyez vraiment totalement présent avec. I envy Ibs because, you know, he gets to go play in the water, in the ocean. Ah, j'envie Yves parce que Yves a la possibilité d'aller jouer dans l'océan, sous l'océan, de rencontrer plein de magnifiques créatures. And you know, when you're under the water and you're just swimming with the fish, it's the most peaceful sensation. Et quand vous êtes sous l'eau, juste là, avec les poissons et toutes les créatures de l'eau, vous êtes voilà, c'est ça en fait. Vous êtes tellement en paix, tellement en paix. Ouais. Et il y a aussi quand même quand on a d'un temps pourri, quand on est dans la ville et même quand il y a de la décharge autour, enfin ce qu'on pourrait dire de la merde, dans mon expérience, quand je peux vraiment regarder et sortir des points de vue ou sortir juste de la cécité et puis juste aller regarder, mais quoi que ce soit devient un cadeau, quoi. Même s'il n'y a pas un joli coucher de soleil, même si apparemment c'est censé être moche, j'adore. Quand je suis ouverte, putain, je ne le suis pas assez souvent. Mais du coup, il y a tout, quoi. Il y a tout qui devient juste un cadeau quand on reçoit, en fait. So she said that when you're in big cities, even if there are noise and many things and many shit, just shit all around, you just have to focus. When she focused, things, the sky, a tree, a bird, like I do, you have this sense of peace and joy. Mm-hmm. And when you're willing to receive, just to receive, you can have this space of peace. Absolutely. Yeah. The most fun I have is walking through Paris, going to the market and looking the stallholders in the eye and saying hello. Un des trucs que j'adore faire quand je vais à Paris, c'est quand on va dans les supermarchés ou dans les boutiques, on regarde les gens, je regarde les gens dans les yeux et je leur dis bonjour. And then watching their universe change, and then for me, their smile becomes the sunrise. Et regarder leur univers changer en fait. Et regarder parce qu'il me répond en fait au travers des yeux et du regard. You know, people say, oh, but you know, Greg, you live near nature, you're so lucky. It's got nothing to do with nature. Vous savez, les gens me disent tout le temps, oh, Greg, toi, t'as tellement de chance, tu vis dans la nature, tu vis à la campagne. I can sit and watch a sparrow in the middle of a city. I can watch people in the middle of a city and be peaceful. Je peux très bien m'asseoir au milieu d'une ville, regarder les gens, etc., et être totalement en paix, en fait. Yes, we do. I do. And the more, this is interesting, the more people there are, et plus il y a de gens, moi je le fais puisque j'habite à côté de Paris, plus il y a de gens, and the more I have my space, you see, expand and really present and receiving everything. Et moi, vraiment, je suis en ville, hein, plus il va y avoir de gens, et je vais justement entourer de tout ça, plus mon espace va s'agrandir, plus grand, plus grand, plus grand, et vraiment, je vais être totalement présente et tout recevoir, the birds, everything, just the sound, just the smell, de juste un oiseau, une odeur, quoi que ce soit. And that's right. Oops, she's mad, yes. Et je souris. Certains pensent que je suis folle. Mais... Yeah. Sit on a tram or in a subway. Yeah. C'est le... Et voilà, moi, là, moi dans les métros, si ça peut être compliqué. I mean, my Hungarian host love traveling with me in the subway because this we do crazy things to people. Mon hôtesse à Hongrie, elle adore voyager avec moi en métro parce qu'en fait on crée des trucs de dingue dans le métro pour les autres et avec les autres. For me, I think the greatest thing that helps me to create the peace that I enjoy is just waking up grateful. For you, the best way. Pour moi, vraiment, le meilleur moyen d'être et de créer cette paix, c'est vraiment la gratitude.
C'est vraiment par la gratitude, la réelle gratitude. Going to sleep, grateful for everything I have. Quand vous allez dormir, avant de dormir, voilà, regardez, rappelez-vous toutes ces choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Grateful for my friends, grateful for everything that's been created. Moi, je fais ça, je regarde tous les amis pour lesquels je suis reconnaissant, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai eu aujourd'hui. And you know what? When you start to do that space, you actually start to feel it being reflected back to you by the people that you're grateful for. Et vous savez, quand vous commencez vraiment à créer cet espace avec un peu d'entraînement, en faisant régulièrement, les gens que vous allez rencontrer et la vie va refléter et va vous renvoyer cette gratitude et ces choses-là. There is no separation. Il n'y a pas de séparation. La séparation n'existe pas. Feel the space. Feel the Sentez peace. L'espace. Sentez l'espace là maintenant. Sentez la paix qu'il y a maintenant. This is what it's all about. Acknowledging that you're connected. Vous êtes tous connectés et c'est juste, tout est à propos de ça, il n'y a pas de séparation. Let go the belief of separation. Laissez partir toutes les croyances à propos de la séparation. Let go the belief that we have to defend everything. Laissez partir toutes les croyances que nous avons besoin, que nous devons défendre, quoi que ce soit. Defend ou define? Define and defend. Both, ok. Et donc, défendre quoi que ce soit ou définir quoi que ce soit. Because the peace that I feel is not the same peace that you feel. Parce que la paix que moi je ressens, c'est aussi celle que vous ressentez. Does that help? Has tonight's chat helped? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que cette discussion ce soir vous aide un petit peu? But I think Mother Teresa put it really well when she was invited to an anti-war rally. She says, "Don't invite me to an anti-war rally, but if you have a peace rally, I'll come." Sorry, I didn't get anything. Look, Mother Teresa was invited to an anti-war rally. And she said, "Don't invite me to an anti-war rally. But if you invite me to a peace rally, I'll come." In other words, stop the fight. Si vous m'invitez, I will say with my own words. Sorry, I'm really hot. It's really hot here in Paris. Everything is closed. Donc, si vous m'invitez pour alors défendre ou voilà pour aller contre quelque chose, je ne viendrai pas. Si vous m'invitez pour la paix, je viendrai. This is the peacefulness. This is that. C'est ça la paix vraiment. Yeah. Est-ce que vous avez des questions? Do they have questions? Oui, Sophie. Moi, j'ai une question. Attends, je ne vois pas qui c'est. C'est Christiane. Je suis cachée parce que je suis fait très chaude, mais moitié déshabillée. Ok, so it's Christiane. Je voulais savoir, en fait, moi, je me sens dans cet espace de paix depuis vraiment plusieurs semaines, plusieurs mois. J'ai fait vraiment un gros travail de libération. So she really is in that space since weeks and months, this space of peace, really peaceful. Et aujourd'hui, en fait, face à toute la situation, je me sens vraiment dans cet état de paix. And in front of everything happens here, around her, and in France, I'm really peaceful. Et du coup, je me posais la question, ce n'était pas mon sens de mon corps, une cuirasse que je me crée par rapport à ça, en fait, parce que
J'étais tellement été dans des tsunamis énergétiques, émotionnels. So she asked, is this peace, is really peace, or is it something to protect her? That she, you see, to protect her from this storm all around, really crazy all around the storm. So Christian, Ruth, have you created a bubble, or are you just simply peaceful? Donc vérité, Christian, est-ce que tu as créé une bulle, ou est-ce que tu es vraiment en paix? Non, je suis en paix. No, I'm peaceful. Yeah. And this is the thing. It's that you can, when you're in this space, you can quand see. Quand tu es dans cet espace. And you can observe all this other stuff going on around you from the space of the observer and go, interesting. Quand tu es dans cet espace comme ça, vraiment de paix, tu peux très bien regarder. Tu regardes, en fait, tout ce qui se passe autour de toi. Tu es juste là, en fait, en observateur. Tu observes. Oui. Et tu dis, ah ouais. C'est ça. Sorry? Just becomes an interesting choice that we see without people et, making. Yeah. Et tout devient juste un choix intéressant, en fait. Vous regardez tous les choix que font les autres et c'est, ce sont juste des choix intéressants qu'ils font. And we no longer buy into the drama of everything. Et vous n'achetez plus du tout le drame de tout ce qui se passe autour de, tout, autour de vous. Voilà. Et coucou. Et il y avait aussi Christiane, est-ce que quand on est dans une paix comme ça, pour nous c'est ok, mais des fois pour les autres c'est un problème. Et, ah ouais, non, mais elle peut pas être aussi bien, c'est forcément qu'elle s'est coupée de quelque chose. Et parfois on achète ça inconsciemment. Et donc, à quel point on peut revenir à soi et juste kiffer le fait d'être peaceful. So, just Sabine say that sometimes and often we are in that space, we are really peaceful and the observer, and some others around us say, no, it's not possible. You cannot be so peaceful with all this shit. And so, we by what they say about us. So we just have to be present with that. What would happen if we stop listening to what other people tell us we should be? Qu'est-ce qui se passerait si on arrêtait d'écouter tout ce que les gens disent à propos de ce qu'on devrait être? I was told it's not possible for me to walk or not possible for me to really learn to talk normal. On m'a dit beaucoup que ce serait impossible pour moi de remarcher, que ce serait impossible pour moi de parler correctement, de me lever. I would never be able to use my left hand. On m'a dit que jamais je n'arriverais à toucher comme ça mes doigts avec ma main gauche, que jamais je n'arriverais à me resservir correctement de ma main gauche. What if we stop listening to what other people tell us we can and can't do or be? Qu'est-ce qui se passerait si on arrêtait d'écouter et de suivre ce que les autres nous disent que l'on doit être ou faire? And what we are, also what we are. Mm, absolutely. So that we stop hearing, stop buying in their definitions of us. Mm, et arrêter aussi d'acheter de se conforter, pas de se conforter, mais de toutes les définitions que les autres ont de nous, de qui on est. Thank you, Perrine. Merci, Perrine. Yeah, so, yeah, and this is the crazy things. This is where we... C'est le truc dingue. And really, Greg, it's not you chose one, and okay, I'm peaceful. Et vraiment, c'est pas okay. Je choisis une fois, okay, je suis en paix, une seule fois. Really, these days, vraiment ces jours-ci, I'm really peaceful with all what's going on. Je suis vraiment en paix avec tout ce qui se passe, but I have to choose it a few times every day. Mais je dois choisir, because we perceive everything, everybody all around.
je dois le choisir plusieurs fois par jour parce que on perçoit, je perçois tout ce qui se passe, les gens, les corps. So I have to, okay, no, this is not me. Et donc, plusieurs fois par jour, je dois être là. Ok, non, ce n'est pas moi. I start getting grumpy, I ask myself, who am I being? Et à chaque fois que je deviens ronchon comme ça, je pose la question, qui suis-je en train d'être? Qu'est-ce que c'est? Qui suis-je en train d'être? Et je laisse partir, et je relâche tout ça. The peacefulness comes from practice. Comes from choice. Être en paix, c'est aussi de l'entraînement. Ça, voilà, il faut s'entraîner. Il faut le choisir régulièrement. But it doesn't come from pretending. You have... Mais la véritable paix ne vient pas en prétendant être en paix. C'est vraiment le choisir. I mean, you know, really think about it. How many people do you know that are so nice? Vraiment, pensez à ça. Combien de gens est-ce que vous connaissez qui sont oh, si gentils? They're sweet, sweet people, but underneath this is lie because you can feel their anger seething. Oh, ils ont l'air tellement doux. Ils disent qu'ils sont tellement doux. Mais combien d'entre vous sentez tout ce qu'il y a derrière? Le manque de gentillesse, la colère et tout ce qu'il y a derrière. I won't massage or touch anybody if I'm angry. Je ne masse personne si je suis si je suis, je ne pourrais masser personne si je suis en colère ou bla bla bla. These are the choices. So maybe, donc c'est un choix, c'est ce qu'il dit. Maybe we can have another talk, not tonight, because no, because this topic comes back into my mind since 30 minutes. Donc, il y a un truc qui revient dans ma tête depuis 30 minutes about anger. Because for many people, and I really observe that, à propos de la colère, parce que j'observe ça beaucoup, they think, really think, or believe, if they don't have this anger, they will not be able to do something. To have something. You see, it's like a way to live, a way to keep going. Parce que depuis tout à l'heure, dans ma tête, il y a ce truc qui tourne de gens que j'observe, où on sent vraiment que cette colère leur sert comme pour avancer, en fait, et qu'ils ne la lâchent pas, ils ne veulent pas la lâcher, parce qu'ils ont l'impression que s'ils la lâchent, ils n'arriveront plus à avancer, ils n'arriveront plus à vivre correctement, à avoir ce qu'ils veulent obtenir. So sorry, it's just something that came often into my mind. Yeah. Yeah, sure. No problem with that. Just give me a date. Tell me what works for everybody. Donc, on peut faire effectivement une petite discussion autour de ça. Vous me direz quand vous voulez qu'on en parle, si vous voulez en parler. So, I think I've probably talked long, too long now, so. Mm-hmm. But, you know, it's like, really, it's to consciously choose something and then to consciously practice being something until it no longer requires you to even choose because you're already being it. Donc, quand vraiment vous choisissez quelque chose et que vous vous entraînez, que vous faites voilà, tout ce processus, vous continuez à choisir, il arrivera un moment où vous n'aurez plus besoin de le faire. Parce que vous le deviendrez, parce que vous serez ça. When I was trained to be a massage therapist, we were given a bottle of oil. Quand j'étais à l'école de massage, on avait une bouteille d'huile, And then we would practice massaging with this bottle of oil, using putting the bottle down, picking it up, putting it down. Et donc on massait, on nous donnait ces bouteilles, on s'entraînait comme ça, on se faisait des massages, etc. avec cette huile, cette bouteille d'huile. Now we were supposed to do so many hours of home practice. Et on était censé
faire du travail à la maison, de pratiquer le massage en dehors de l'école. The way they found out whether you had practiced or not was you did a massage blindfolded. Sorry, I didn't get it. So the way they found out whether we were practicing our massage techniques was we would do a massage blindfolded. Blindfolded, what is that? Blindfolded, a blanket around our eyes. Yeah. Et donc ils ont trouvé pour nous pendant cette école comme ça, ils nous ont demandé de masser les yeux bandés pour vraiment sortir en fait du mental de la technique de voilà les yeux bandés. And the way they knew we were practicing was because where we put the bottle, our hand remembered where the bottle was. Okay. Et donc, c'était le moyen pour eux de savoir qu'on s'était entraîné parce qu'une fois qu'on avait les yeux bandés, on se souvenait où on avait posé la bouteille d'huile pendant qu'on était en train de masser. We were packing around trying to find the bottle. Et t'en as d'autres qui tâtonnaient comme ça un peu partout à essayer de trouver la bouteille. And it's the same with this, the universe will test us. C'est la même chose avec ça. On our choices. L'univers va aussi suivre nos choix. We actually test ourselves. We have to. We actually test ourselves. On doit nous tester, voilà, et nous tester aussi. On doit se tester aussi. And something maybe you just can add, peut-être quelque chose que tu peux ajouter. We can ask our bodies to show us. On peut aussi demander à notre corps de nous montrer. To show us the peace, show us the joy, and help us to be back to these spaces. On peut aussi demander à nos corps de nous montrer la paix, de nous montrer la joie, et de nous aider vraiment à revenir à cet espace de paix ou de joie. The moment I say that... What would happen if we just chose to be the space of alchemy? Et si on avait juste à choisir d'être l'espace de l'alchimie et demander à notre corps ça aussi. The space of gratitude. L'espace de la gratitude. How does the body feel now, Dolphin? Comment se sent ton corps maintenant, Delphine? Peaceful? Paisible? Sonia? The girls there, how do your bodies feel being this space? Les filles là-bas, comment vos corps se sentent? Fucking well. Putain de bien. And I was trying to find the glass of wine. See, you don't drink enough wine because you shouldn't have to look where the glass is. Elle dit, écoute, je me sens putain de bien. Et en fait, ça me fait rire parce que j'étais en train de tâtonner pour chercher la bouteille de vin. Tu manques d'entraînement. Micro ouvert, oui. I can find this in the dark. Moi, je peux trouver mon verre dans le noir. So, have a wonderful night. Donc, je vous souhaite une magnifique soirée. Magnifique nuit. Thank you for coming on the Zoom and thank you for Merci joining pour us. Nous avoir rejoints et d'être voilà sur le Zoom pour vos questions. And as soon as Sophie tells me what date we're going to do the next Zoom, we'll let you know and we'll have some more fun. We'll talk about this thing called anger and is it really real? Yes or not? It's just something in my mind. Donc quand voilà, si vous voulez qu'on fasse un petit zoom, quand moi je vais le choisir, pas moi, Greg, de discuter, de parler à propos de cette histoire de colère, on vous fera signe. Which is only in your mind. Don't forget to translate this. Oh yes. Love you, Sophie. No, I didn't get it. No, you translated almost everything, I guess. But you did not translate
that it was only in your mind. No, it's not just in my mind. That was the translation to front. You know, I'm still missing. So that's the only thing. All good. Love you, Sophie. Sorry for interrupting you. No, I'm actually not sorry. Yes, yes, yes. Love you too. And I'm very grateful for you. Thank you. Me too. Thank you. Donc, elle disait, bien évidemment, je suppose que ce n'est que dans ta tête. Tout ça, là, que, à propos des colères. Oui, non, ce n'est pas que dans ma tête. C'est tout ce que je perçois chez les autres. Voilà. Non, je ne pense pas que c'est ce qu'elle disait. Hein. Excuse-moi. Greg a dit ça. Greg a dit ça. C'est, la colère, c'est parfois que dans votre tête. Que tu n'as pas traduit, c'est ça qu'elle t'a dit. Can we do this in German now, Eve, please? No, thank you very much. I'm tired. I'm really exhausted. I cannot sleep since 10 days. Je suis vraiment fatiguée. Je n'arrive plus à dormir depuis 10 jours. Yes, I know. But with pills, with painkillers pill, it's not a good thing. Go to sleep past that. Et je lui dis, je suis vraiment fatiguée parce que ça fait 10 jours que je dors pas très peu, en fait, j'arrive pas à dormir. Donc, désolée, j'ai loupé la dernière traduction. So, love you all, so grateful for you. Have a wonderful night. Tous. Thank you. Thank you, bye. Je suis très reconnaissant. Merci. À bientôt. Bientôt. Bye. Bye. Bonne soirée. Bye. Bye. Thank you. Bye. 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 C'est super fort. C'est une super paix.